Ah. Ah. Le voilà. Ça suit le fil. Oui. Oui. Et toi? Déjà le. Bah ouais, ça va. Si tu veux, tu peux rejoindre. C'est un Discord que j'ai créé, enfin, que j'ai renouvelé, que je fais un renouveau de guild pour le Eye of the Darkness sur Gamer 2. J'ai pas entendu le début de ta phrase, Dark. Je disais, j'ai renouvelé un serveur Discord pour la guild sur Guild Wars 2, qu'elle t'a dû sûrement entrer par mon invitation. Ouais, j'ai une invitation. Bah, j'irai la rejoindre dès que j'ai l'occasion. Y a pas de. C'est quoi qui est prévu ce soir, le coup? Bah, j'ai prévu de faire le verger, mais ça va être trop long hein, si t'as pas ta box. Ouais, je te raconte pas. Le mec, il était censé. Bah, à minima à regarder et l'installer, et il est arrivé et il m'a dit en gros ça va être ultra dur de l'installer ici. Et il s'est barré au bout d'une minute. Non, c'est une blague. Non, c'est ça. Et après, bref, il m'a rappelé quand même, il m'a dit ouais, bon, je suis en discussion avec le technicien, il y a peut-être moyen, machin. Mais, ouais. Ah ouais. Excusez-moi. Donc c'est chiant quoi. Sinon, je partais à la chasse aux élites. Sinon, je voulais savoir si on pouvait les débloquer des héros là. Tu sais, les héros que tu prends avec toi là. Les héros Ritus, ça. En vrai, on peut faire le tour des héros qui te manquent. Ah ouais, parce qu'on peut. Il y a des héros qu'on peut trouver comme ça, ceux qui me manquent. Bah oui, sans problème. Tu me dis ce que t'as et puis on compare. Compte le nombre de professions des guerriers, par exemple. Normalement, t'en as trois. Eh ben, j'en ai trois là. J'ai Goren, Kos et Jorah. Okay. Des rôdeurs, t'en as trois. Acolyte Jin, Magrid, Pires. Ouais. Des moines, t'en as trois. Takora, Donkoro, Ogden. Ouais. Des nécros, t'en as trois. Olias, Livia. Maître des soupirs. Voilà. Des envoûtes, t'en as deux. Norgu et Gwen. Voilà. Des zélés, t'en as trois. L'acolyte Susuke, Patterson, évêque. Voilà. Des assassins, t'en as. Il y en a trois disponibles. Ah, j'en ai que deux alors. J'ai que Zemne et Anton. Ok, bon. Miku, elle est chiante à voir. Chanceux quoi. Des rituels, il y en a trois. J'en ai zéro. Et t'en as aucun. Ouais. Donc le troisième, il est très dur à avoir et les deux autres, ça devrait aller. Ouais. Et des parangons, il y en a trois. En parangon, j'ai que Morgane. Ok, bon, Aïda, elle est facile à chercher. Et Takeray, c'est un peu plus chiant. Et après, des derviches, il y en a trois aussi. Il y a trois derviches? Ah bon? Il y en a quatre des derviches. Parce qu'il y a toi. En fait, genre, je sais pas, il y a je crois il y en a plus que trois. Il y a Mox, il y a Mélanie. Non, il y a Mox, Mélanie et Camou. Voilà. Moi, j'ai que Mélanie et Mox. Ouais. Mais Camou, faut le débloquer dans le tournoi de Manic Bison. Ouais. On va peut-être faire ceux où il faut pas faire manier le bison d'abord, si tu veux. Manier le bison, c'est chiant, hein, je vous le dis. On voit ce qu'on peut se donner rendez-vous. Moi, je serais pour aller faire déjà quelque chose que j'ai pas en profession, c'est les RT. Donc, je serais d'avis de trouver RT pas trop difficile déjà. Ouais, mais les RT, c'est facile. Ah. Enfin, il y en a un qui est facile et l'autre, il est dans. Dans le tournoi de Manil Bison. Où est-ce que je peux vous retrouver alors? Kamadan. Kamadan. Attendez, moi je suis même pas connecté donc. Kamadan. Ok, je suis à Kamadan. Ah, je te vois, ok, je te vois.
Et tu peux nous téléporter à la chapelle des secrets. Attends, Dark, il se court. Bah ouais, j'étais pas connecté. Je sais pas, je. En plus, je. Moi, ouais, tu comptais vouloir faire du Guild Wars 2, mais. Ah non, le mardi et le jeudi, je me réserve à Guild Wars 1. Ouais, je sais, mais bon. Après, moi, c'est pour mon truc personnel, pour mon plaisir personnel. Mais bon, vu comment je rage bien assez sur les missions autres que les missions après Zaitan, de mon vivant. Saison 1, je vais peut-être me calmer et aller sur les Guild Wars. Oh non, mais les quêtes principales, c'est infernal dans le 2. Sur quoi ? Ouais, j'avoue. Oh, ça, de 1, en général, c'est pas très dur. De 2, c'est pas marrant. Et de 3, tu drops rien dedans. Genre, tu tues des mobs, ils te lâchent rien. Je trouve ça horrible. Ouais, mais non. Alors là, je suis pas d'accord. Parce que quand tu fais les quêtes principales avec Zaitan et de ça, là encore, ça passe. Mais quand tu commences à taper dans le monde vivant et que t'es en solo, tu runs du sang. Hein. Ah, je sais pas, moi je crois que j'ai jamais eu si les boss de fin en général, tu vois. Mais bon, ça c'était dans Pass of Fire, le reste, je me souviens plus, très honnêtement. Bon, j'ai. Mais c'est pas marrant, quoi. J'ai une TP là, je t'appelle des soupirs tant qu'il arrive. Ouais, de toute façon, Dark il a déjà la ville, donc il pourrait nous rejoindre direct là-bas. En vrai, bah, je voulais peut-être me dire que je suis un peu un traître à mon sang, mais quoi? Pas motivé. Je suis pas motivé, moi, les chasses aux élites et les chasses aux héros, ça peut être utile, mais moi, du moment qu'il n'y a pas de la grosse action bien balèze où on fait des coops et tout ça, ça me motive pas. Ah, c'est comme tu veux, hein. Je te force pas, Dark. Déjà que même maintenant que je suis niveau 4 ans et que j'ai plus rien d'autre de travers mes apparts rager sur des trucs hardcore à mort, ça me. Je m'auto-poule. Putain, mais c'est où, c'est la chapelle là? Ouais. Bah voilà. Je sais pas. En vrai, je sais. Attends, je vais t'emmener. Accepte le truc de groupe, je ne veux téléporte. Ouais. De toute façon, je pense que je vais changer de perso. Voilà. Si on est que deux, je vais pas rester en moyenne. Ah, c'est des secrets. Moi, je cherchais la chapelle des soupirs. Pourquoi chercher la chapelle des soupirs? Où est-elle? Elle est là. Ah, mais je me demande si on l'avait pas déjà chopé la vie. Peut-être pas. D'ailleurs, ça s'appelle des secrets. Enfin, non, USI. Elle est aussi dans Guild Wars 2. Mais pourquoi t'es parti de l'autre côté? Comment t'as fait, là? Faut parler au gardien, là. Donc, du coup, par conséquent. Ouais. Dans Guild Wars 2, moi, je fais partie de l'ordre des soupirs. Et ça, tu me l'as dit déjà. Ouais. Bon, je sais, je radote. Du coup, en fait, ici, c'est une zone où t'as accès que quand t'as fini le jeu, parce que il te spoil que Cormyr est devenu une déesse. Il faut que je knille, là? Non, non, regarde, elle a pop, et du coup, en fait, tu peux lui donner une offrande de 0 pièce d'or, et elle te téléporte dans son domaine, c'est-à-dire la porte de l'angoisse. Le DOA. Ouais, ok. Voilà. Et je te rejoins. Normalement, il y a quelqu'un qui te donne une quête. Enfin, il y a deux personnes qui te donnent une quête. J'ai le grand prêtre là qui a une quête. Oh ouais, c'est soit le grand prêtre, soit aumônier, je sais pas quoi. Et il y en a une difficulté maître, c'est celle qui nous intéresse pas du coup. Ok. C'est le DOA. Donc c'est celle qui m'intéresse pas, le prêtre il me donne une quête maître. Elle est là l'autre. C'est chez aumônier Firatis. Et c'est justement la quête pour avoir le héros rituel. Raza. Le seul changer de profession. Il faut aller, je crois, au de Balthazar pour le débloquer. Il ouais, faut juste aller lui causer. Ok. Faut aller dans le domaine d'Abaddon. Le cœur d'Abaddon, très exact. Et on va y aller.
faut prendre des zéros là. Ouais. Hello. Oh, 10 grammes est là. Ouais, salut, hello, 10 grammes. Grammes, ça va? Ça va, ça va. D'accord. Tu viens nous aider? Oui. Yes. Et ben, on attend là alors. On est à la porte d'Abaddon. Marche. Tu viens en quoi? En envoûte. Yes. Oh, il est content. Qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je change ou est-ce que je joue en voûte avec un build bizarre? Après, je peux changer de. Non, c'est parfait. Non, mais joue bien, hein. joue ce que t'aimes. Hein. Il est là, Ramos. Non, mais quand je joue en voûte, c'est pour carry et surtout. Ouais, enfin, ça veut pas dire que je vais carry non plus. Alors là, ça devrait aller en normal mode, je pense que. Non, je rigole. Non, je rigole. Ça me fait penser que... Oh, attends, je vais tester un truc. Ça fait longtemps que je vais tester ce truc et je l'ai jamais testé. Excusez-moi. Pourquoi, tu fais un rototo? Non, j'ai lâché une caisse tellement puissante que l'odeur a été lampante. Non, mais carrément, quoi. Oui, bon, ça va, j'ai beaucoup de gaz en ce moment. Hop. J'ai une usine à gaz, en fait. Oh, je vais te demander ton build. Je suis curieux. Pourquoi? En fait, j'ai juste envie de tester os broyé. Parce que ça fait 1000 ans que... Ah, on rit-tu? Le test, ouais. Ah, j'ai toujours voulu aussi. Et du coup, je suis comme ça. Là. Saison puissance invocation. Ouais. Comment tu sais que j'ai 16 en puissance d'invoque? C'est parce que ça me semble logique. Ah, ok. J'ai cru qu'il y avait un truc toolbox pour savoir que... J'ai pas toolbox. Je me suis dit, ah ouais. C'est juste que ça me semble évident. Ah. Alors, Par contre, ça me déprime un peu le niveau des bestioles. Olias, non. Non, pas d'Olias. Je dirais Olias. Non, c'est moi qui fais les bébêtes. Alors. Ouais, mais le niveau des bestioles, bon, c'est pas grave en fait. Oui. Ouais, parce que ton puissance de l'invocation, ça fait quoi déjà? Ça donne ça plus de vie? Ta vie. Ouais. Bon, au final, elles sont moins résistantes que les bébêtes de nécro parce qu'elles ont moins d'armure. Beaucoup moins d'armure. Ok. Mais bon, l'avantage, c'est que j'en invoque deux et. Mais tu fais des dégâts énormes à côté. Ça fait des dégâts quand elles pop, ouais. En général, je joue ce build là, mais avec Aura de la Niche. Ça. Là, je vais juste tester. Je pense que ouais, ça se recharge trop doucement au Osbroy. Ouais, je pense que là, je vais partir pour un bon gros instant rageage. Rage intense. J'ai augmenté ma barre de furie pour décharger toute ma haine. Oh, pardon. Rage. J'explique. N'oublie pas de mettre ton titre porteur de lumière, hein, bien sûr. Oui. Pour exploser les ennemis. J'imagine que tu as déjà Raza. Hein. Oui. Mais attends. Mais je l'ai même pas en ritu. Oh bah super, je vais pouvoir faire la quête. Quelle personne en carton dit ouais. Ah bah attends, je vais prendre le saut en fait. Ah t'es vraiment un AO en carton. J'ai Zairi mais j'ai pas le Raza. Aïe. Alors pour ceux qui veulent me voir rager,
jouer dans l'heure sur mon stream. Et là, je pense que je vais réagir. Malheureusement, ma connexion ne tiendra pas. D'ailleurs, ils sont passés, ils devaient passer aujourd'hui. Ah. Aïe. Le mec est passé. Il m'a dit que c'était. Il te raconte pas. C'était plus ou moins impossible. Il est resté une minute. Il a dit: ah ouais, je connais cet appartement. Ouais, c'est chaud ici. Parce qu'il faut tirer le câble dehors, etc. Il n'y a pas de place dans la cour, machin. Et il est parti. Il a dit: ouais, je vais voir quand même. Et il est parti. Il m'a dit: je vous rappelle dans une demi-heure. 2 heures plus tard, pas de nouvelles. Je le rappelle, il me dit: ah ouais, je suis en train de discuter avec le service technique, bon, ça va être compliqué, machin. J'ai pas de nouvelles. Ouais, ou tu dis qu'il est pas passé. Bon. Ce, les gars, je vous dis à plus. Ok, à plus. Ouais, à plus. Ok, à plus, Dark. À plus. Donc ça fait plaisir, quoi. J'espère que. Bon, j'imaginais qu'il allait me rappeler ce soir, mais visiblement non. Donc, on verra s'il me rappelle un jour. Bah voilà. Écoute, j'avais pas vu Don Coro qui est en bip. C'est le build de Dark. C'est pas bien? Non, il n'y a pas de souci. C'est original. Je suis surpris. En aucun cas, c'est un reproche. En général, on met plutôt des nécro-bips. Mais... bah, quand c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Il n'y a pas d'enchant. Ah, je sais pas quoi prendre. Hein, je sais pas quoi prendre, c'est terrible. C'est quoi ton build? C'est pour enlever le saut, du coup. Le saut? Quel saut tu veux enlever? Le saut de lassitude? Ouais. Ah mais non, mais c'est faiblesse. Non, autant pour moi, je croyais que j'avais pris l'autre. Ok, c'est bon. Cri de frustration. Non, mais je pensais que j'avais pris celui qui... Voilà, attends, j'ai pas mes bonnes armes, les bâtons, voilà. Et donc là, il faut faire gaffe, c'est... enfin bon. Oh là 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 là, c'est pas des rigolos, là. Ouais, mais ça se lance pas, ou... Donc là, on risque d'attirer beaucoup trop, hein. Alors, probablement. Tout le peuple. On va attaquer ça là. Yeah. Oh purée, ils sont bien en boule. Ah, j'ai raté le premier. Tuc. Nice. Hop, on commence. Ouais, bah. On va se broyer, c'est de la daube. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a du désenchant. Bah s'il y a du désenchant, ouais, sachant que tu peux le faire que. Bah, je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est. Si ça fait pas exactement comme je pensais. Alors je sais pas. Peut-être que c'est fort, j'arrive pas à ça. C'est censé faire quoi ça, se broyer? Ah mais non, il doit y avoir du désenchant parce que ça part tellement vite. Hein, c'est quoi, se broyer comme élite, ça? C'est en gros, quand la bestiole qui l'a meurt, elle va créer une autre bestiole. Voilà, c'est ça.
Ah, c'est intéressant, ça. Donc, tu peux théoriquement avoir des bébêtes à l'infini. Ouais, c'est ça. En vrai, quand t'as trop de bébêtes, quand même, ça explose. Hein. Oh, j'ai des bébêtes. Ouais, GG, alors, merci. D'entrée de jeu comme ça, c'est plaisir. Même si ça va être pourri, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un gold. Il y a combien de groupes là? Là, il y en a deux. Deux, ouais. Avec deux mots de folie. Les mots de folie, c'est les moines. Hein. C'est ça. Oh là là, mes bébêtes, elles crèvent tellement vite quand même. Il y avait trois mois, ou parce qu'il a été raise. En fait, il faudrait un parangon. Regain héroïque. Regain héroïque. En quoi faire? Ah non, ça, tes bestioles, c'est encore plus fort. Ah. Ouais. Intéressant. En fait, là, le problème, c'est que je peux pas. Je suis limité en nombre que j'en ai. Ouais, mais avec. Du coup, t'arriverais à 16 en magie du sang. Ouais. De mort. Du coup, t'es à 12. En vrai, c'est pas mal, hein, quand même. Parce que. En fait, j'avais peur de cette compétence. Ouais. Parce que. Je peux le faire changer de. Je me disais si t'es obligé de cibler la bébête, etc. Mais en fait, quand tu le lances, ça cible automatiquement une bébête qui est pas sous ce broyer. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'est fun à jouer un peu quand même, tu vois. Bah, c'est pas comme Nova Mortel où tu dois cliquer. Voilà, cliquer, c'est cliquer. Ça. Là, faut tuer les esprits, hein, c'est ça? Ouais. Ok, je fais plus rien. À moins que je puisse les récupérer avec le saut d'asservissement, mais je pense pas. Oh, quoique. Faut tuer les gardiens, là? Ouais. Oh non, on peut pas. Ah, tu veux pas? Vas-y, fais bugger le truc. Avec truc, je crois que ça marche. Hein. Ça top. C'est des fantômes. Masque Margonite, c'est pour Nico. Nico, je le fais en solo, donc c'est non. Mais c'est quoi cette semaine? C'est Bracelet Judge, je crois. Ok. Il y a un moine ici. Il y avait. Mmh.
Ah mince. Oh, c'est pas grave. Oui, t'es arrivé quoi? On passe pas par le même chemin par lequel on était passé. Ah, c'est bien, justement, tu plus d'ennemis. Oui, c'est ça. Impressionnant les dégâts que tu fais du coup avec le tir. Ah oui, on en doute, ça dégomme. Hein. Au lieu de 126, c'était 170. Ça me fait penser que... Oh là, ça me fait penser qu'il faut que je fasse le titre justement, ça. Hein. Que je le termine en farmant ou je sais pas quoi. Mais... Et là, c'est le début du fun, là. En plus, j'ai plus de bébêtes, ils font pas de cadavres, c'est trop bien. T'inquiète, t'en as là. Ah non, les familiers, c'est pas des cadavres. Ça marche pas. Ah ouais? Ah bon, ça marche pas? Non, non. Oh, c'est nul. Ah ouais. Ah, c'est terrible. Tellement bien autrement. Elle est à la baguette. Une baguette 5. J'ai l'impression de te voir taper les derviches à la baguette. C'est clair. Il en reste un? Non, mais il faut aller reparler à Raza. Ah, pardon. Quand même pris maître ivre, parce que ça met tellement de temps à lancer des bébés, en général, t'es en retard. Je me demande si... Ouais, non, je pense pas. De quoi? Je pense pas que Osbroyer s'est affecté par l'insigne qui fait que ces trucs de cadavre sont plus... Comme c'est pas un sort d'exploitation de cadavre. Oh, stylé ton épée. Cimetière colossal. Si t'en veux un, j'en ai un Q9, hein. Ouais, non, non. Non, les épées, j'en ai quelques-unes qui sont pas mal. La morinique, la best épée. Ouah, elle est grosse. Je trouve qu'elle va que sur les rituels, celle-là. Sur un guerrier, ça dégueulasse. Genre, c'est une épée, mais qui fait pas épée, ça fait plus... je sais pas quoi. Baguette. Mais bon. Ouais. Genre, tu te vois trancher quelqu'un avec ça, pas vraiment. En fait. On resigne. Oui. Et tu peux du coup nous téléporter à la porte de l'angoisse qui doit être juste en dessous.
Et débloquer Raza. Je vais d'ailleurs m'empresser de build. Bon, la prochaine fois que je la prends, je vais me faire avoir. Bonjour monsieur. Ah, ça y est, j'ai RT. Oh merde, j'ai même pas le build enregistré. Tu veux lequel? Est-ce que... Bah, ouais, c'est facile. Hein. Ouais, mais comme ça, je peux le passer. Ouf. Tada. Merde. On peut pas le charger directement sur Raza? Faut l'enregistrer? Ouais. Et en vrai, je le joue pas avec du heal, moi, le ST. Bah, j'aime bien supprimer les conditions. Notamment parce que mon main, c'était un guerrier, donc... Aveuglement, je suis triste. C'est vrai. Ouais, mais après, c'est vrai que tu dois jouer avec un truc, je pense, hein. Un bip. Bah, oui. Ouais, ouais, moi, je joue jamais avec un bip, c'est pour ça que mes ST en général, je leur mets rien d'autre que les esprits parce que sinon ils sont en PLS. Bah mon bip il est pas rangon. Oh nice. Non, c'est un nécro pas rangon. Ah. Micro parangon. Ah ouais, tu pourrais bip en parangon, hein. Tu mets chant de la puissance et la force est avec vous, hein. Et tu bip tout le groupe, hein. Mais c'est de la merde. Tu peux biper entre les groupes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, qui... Ah oui, on va chercher Aïda du coup, peut-être le parangon. Bah ouais. Rendez-vous à l'Arche du Lion. Ok, let's go. Ok, let's go. Allez, l'Arche du Lion. L'Arche du Lion. Centre Arche du Lion. Voyageons jusqu'à l'Arche du Lion. Oh, faut que je réduise mon équipe. Là. Ça va se faire automatiquement. Non, mais il faut que je réduise pour déjà vous prendre, parce qu'il n'y avait plus de place. Alors, ça a quoi comme, comme build, ça? Dark Carla 2 et SOS. C'est quoi ça déjà SOS? Avec le saut des esprits. C'est quand t'as envie de faire des dégâts. Et ensuite, tu vas nous pouvoir nous TP au campement de Gad. Yes. Ok, j'ai du boulot. J'ai du taf-taf. Campement de Gad. Campement de Gad. Oui, c'est où? C'est bon. Ah. 10 grammes de TP. Tiens, est-ce que j'ai Aïda, moi? Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Parfait.
Je reviens, je regarde juste si avec mon parangon je l'ai. Et la quête est là. Et je l'ai pas, j'arrive. Je joue Regen Héroïque avec mon parangon. Oh, maintenant tu me fais ça. Ouais. Maintenant que j'avais changé et que je jouais plus à ce bandier. C'est Bartholos. Oui, c'est Bartholos, ouais. La tête. C'est un gros musclé. Ah non, c'est pas le gros musclé dans Final Fantasy X. Éclat de grenouille. Bonjour à vous. Ah, tu d'éclater les grenouilles, bien sûr. Mais dis pas que tu débloques les personnages, j'ai envoyé l'un de mes soldats Aida. Final enflammé. Ouais, remarque sur un cac. Ça se tient. Tu nous mets tes petits héros. Ouais. J'ai ce pulseur, il n'y a que dalle. Ouais. C'est bon pour vous? Ouais, on peut dire. Eh bien. Il n'y a pas de cag, du coup j'ai changé. Bon. Let's go. Ma petite bénédiction pour les points. On peut mettre quel titre ici? Pas trop stupide, pas trop, etc. Pas trop intelligent. Bonne nouvelle, tu peux relancer des enchantes. Ah oui, c'est vrai. Ah, pas trop maladroite, c'est ça. Auprès des Azura, ouais, c'est ça. Ouais. Purée, ça fait 80 points de dégâts sous le truc. La vache. Et c'est qui, et c'est qui le membre à l'œil de la tête? Non, pas si, c'est bon. C'est pas les pouvoirs qu'il y a. Oh là 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 là. Non, c'est bon. C'est t'as pris une nouvelle élite ou? Oui. Ok. Moi, oh, j'aime pas les dinosaures. Ils font mal les dinosaures. Oh, c'est eux qui bouffent les cadavres? Bah ouais, ils ont pétrine, les argodons, vaudons, hein. Ah, ils ont explosé en pétrine. Ceci explique cela. Oh là là, voilà, tes bestioles, elles sont niveau 18. C'est beau, hein. Oh,
Oh, t'as claqué les ailes. Tu t'es transformé en ange. C'est beau. Allez-y, mes bébêtes. C'est marrant parce que cette élite, elle est fun, mais que pour les autres membres du groupe, tu vois. Oui. Ouais, mais je sais pas. J'avoue, j'ai fait mon parangon après la sortie de cette élite et je voulais la jouer. Ça se tient. Ben, je m'éloigne peut-être un peu trop de toi. Ouais. Puis là, bon, attends. Technique. Hop. C'est une maladie, ça. Hein. Même quand il n'y a personne. Gauche-droite, gauche-droite. Non, c'est il essaie de pas aller trop vite. Ouais. Parce que en fait, je t'ai mis normalement un buff qui te donne plus 4 à toutes tes caractéristiques. Et c'est pas mal. Je viens de te faire prendre un sandwich. On est dans les secteurs de House of Honor. Mince. J'ai mis clic. J'ai fait le reste de groupe. Pas mal. Je dis ça comme ça, hein, mais personne n'est mort. Le monde est vivant, donc j'ai fait du bon boulot. Par contre, ils sont pénibles là, bloqués. C'est quand même fun, cette élite aussi, l'arme des trois forges. C'est juste dommage que ça se lance si doucement. Je sais juste qu'il y en a pas mal qui le jouaient du coup à l'arc. C'est tout ce que j'ai retenu. Ouais, mais ça, c'est des gens qui sont éclatés. Mais non, mais c'est avec l'arc. Ouais, mais ils ont rien compris. Pourquoi ils ont rien compris? je suis un peu. En fait, je comprends pas l'intérêt de le jouer alors. Si l'intérêt, c'est voilà, les gens ils voient que. Pour un rôdeur, c'est mieux de jouer à l'arc. Ouais, mais les gens ils voient que t'as le nouvel arc qui est requis puissance d'invoque. Et du coup, ils jouent avec ce nouvel arc. Parce que la nouvelle élite elle est aussi en puissance d'invoque. C'est ça.
J'ai craqué. C'est toi qui es parti à la chasse là. Ouais, moi j'allais y aller aussi, hein. J'étais juste derrière l'ancien de. Il était en train de s'entretuer tranquille. Une thèse ville. Ouais, mais il nous empêche de loot du coup. De toute façon, il fallait les tuer, non? Ouais, bah oui. Non, je sais pas moi. C'est j'ai aucune idée. La quête c'est quoi? Bah non, c'est bon. Ouais, t'as raison, fallait les tuer, je pense. Il vient de se faire là. Hein? Tiens, il y a quelqu'un qui m'a envoyé « Coucou, on ne se connaît pas, mais l'algorithme YouTube m'a fait tomber sur une de tes vidéos avant-hier. Bonne chance pour le légendaire... GG pour le légendaire Yvon Fischler. » Les gens, ils sont sympas, en fait. Mais pourquoi tu t'en doutais? Allez. Oui. Oh, sur le 1, ils sont sympas. Non, mais ils sont sympas, oui, mais à ce point, c'est... presque étonnant. Mais bon. Je crois qu'il y a une quête encore après. Ouais. On va parler déjà à Bartolo, il va dans une ruine. Alors... Ouais. Alors attendez, je reviens dans 2 minutes. Ouais. Avec plaisir. Une randonnée vivifiante dans les marais, ça semble une bonne idée. Très bonne idée. J'étais pas loin. Pénétration 20, 19. Dommage. Oh, c'est pour 1%. Tes héros, ils peuvent l'utiliser. Ouais, j'ai récupéré le 20, 19. Hein? De quoi? Tu changes les héros? Ouais, je regarde ce qu'ils ont comme équipement, les assassins. Oh. Alors, Zemné à quoi? Chakram fissuré de Falarazam. Et Anton, il a quoi? Ah ouais, c'est pourri, hein. 7-17. C'est armes de base, ça. Les gars, plus 10. Ouais, allez, hop. Tiens, Anton. Cadeau. Puis je crois que ça se vend pas, les armes de base. Donc, corbeille. À moins que j'aie d'autres trucs. Au coffre, je sais pas. Thank you.
Alors. Heureux. Heureux. Hello. Puissance de la vocation, hein, intéressant. Oh. Je vois que Titu est connecté, je me demande s'il va nous rejoindre. Attends, Titu, tu nous rejoins? Et pourquoi je l'ai pas vu si court, moi? Ah là là, il voulait peut-être passer inaperçu et je l'ai chopé. Peut-être la mission Zaïchen, vestibule. Titu qui fait une mission Zaïchen tout seul. Oh, peut-être pas. À mon avis, faites d'exclus. Non, vas-y, on peut y aller sans lui. Essayer de répondre, je pense que. Il nous faut juste encore un héros. Bam, 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 bam. Tu hésites sur le héros, Lucky? Non, j'expulse. Je prends les deux moines. Je faisais du changement d'arme. Ah. Et pourquoi il l'a pas pris? Il est con, lui. Enfin, on verra ça plus tard. On est ready. Yes, I am. Ah bah. De quoi? C'est bon, on l'a déjà dans le groupe. On est qui dans le groupe? La parangon. Tour m'attaque. Quoi non? Regarde, là, elle est en train de danser à l'entrée. J'ai jamais fait gaffe à la danse. La danse des parangones, on la voit pas souvent. Elle est dynamique en plus, en vrai. Ouais. Ça change de l'élème. Moi, celle qui me fait rire, c'est celle de l'élème. Homme. Non. Je plie les genoux. Non, mais c'est genre le mec, tu vois, il est en soirée, il n'ose pas trop au début, et puis après, à la fin, il est à fond, il se sent plus, tu vois. Lance pas tes trucs. Trop tard. Moi, je suis quand même un héros, tu sais, que je rentre dans la zone, je lance les Ouais. anges. Il fait la fête. Tiens donc, mais ils ont placé Aïda en plein milieu des Angoros, donc. Je suis vraiment étonné.
comme par hasard. C'est ceux qui ont explosé en putride. Ouais. Non. Oh. Il en fait plus mal que tout à l'heure. Ils étaient plus nombreux, je crois, aussi. Oh, il y a des œufs ici. Ah ouais, donnez-moi un T-Rex, c'est ça. Bon, ok, là, on va faire attention, là. Il est où, le T-Rex? Il est fort, le T-Rex? Je sais pas, je crois qu'il est pas... Je crois pas qu'il soit sur cette map. Si. Si, c'est sur cette map? Oui, j'ai perdu la rengaine. Ouais. Morbrin, c'est ça, Seigneur des Marais. Je sais plus celui qui peut passer niveau 40. Hein? Oh, je sais plus, monsieur. Ah, un T-Rex guerrier, là. Il y a un T-Rex 40 En HM. Oh. Oh merde, j'ai un gros quelque chose. Des T-Rex, justement. Non, mais en vrai, ils me font pas peur. Moi, j'aime pas, c'est les raptors. Ceux-là, là bah, voilà, les raptors. Parce que j'ai trouve presque intelligent. Parce qu'on a l'impression qu'ils s'acharnent vraiment. Parce que t'as trop regardé Jurassic Park. J'ai l'impression qu'ils font comme nous. Ils se focus sur un mec. Ce qui est marrant, c'est que c'est dans Guild Wars, ils sont plus représentatifs que dans Jurassic Park, à quoi ils ressemblent. C'est vrai. Ils font bien oiseau ici. Mmh. En plus, ils ont le cri d'oiseau. Oh là là, c'est dégueu les bébés. Non, en fait, ils font des coups critiques en plus. Ouais, mais quand je lance l'arme là et que ça leur met l'arme à frag ou l'arme de. On l'arme est qui vole la vie là. Genre, ça vole 63 points de vie. T'as un boost de vitesse? Oui, j'ai maître Yvan. L'arme à frag, elle fonctionne sur 6 attaques. Ouais. Avec ton boost. Je suis occupé. Là, d'habitude, c'est 4. Ouais. Peut-être que tu montes. Je crois que tu montes à 5 si t'as 16 en cana, mais. Oui, parce que en plus tu prends ta puissance d'invocation comme. Ouais. Oh, aïe. Maintenant que tu me le dis, c'est évident, mais j'avais pas tiqué. Dis-moi. Ah, c'est une bonne raison de faire un détour. Oh non, c'est 25. Pas cool. Le détour est pas énorme.
Oups. Ah. Quoi? Du coup. Là, c'est un détour. Ah, tu vas aller au coffre. Oui, juste là. Ouais, là. Nice. Ça, c'est un bon coffre. C'est un bon coffre. Ah bon, c'est un bon coffre. Bof, bof. Oh, merci pour le rite. Au moins. Ah oui, c'est là où il y a un milliard d'ennemis. Du blanc manteau. Mais ils sont pas des ennemis là, ils sont de la bonne couleur. Quoi? Oui, pas encore. Ah, attends, je vais leur mettre les armes. Comment ça, les armes? Tu sais, ils vont les perdre, hein. Ah ouais, quand il se change? Pas tout de suite, mais... Je pense pas, ouais. Oui, après, oui. À mon avis, il vaut mieux tuer ça, là. Tout de suite. Les smiliens, là, les smiliens. Les smiliens, ouais. C'est les orang-outans, là. Ouais, le saut d'asservissement, c'est aussi hyper marrant. Piquer les esprits, là. Non, ne tuez pas. Yes. Et, ah, voilà. Nice. Vous aussi, grosse crache à chaque fois. Quoi? C'était un piège? Qu'est-ce que c'est inattendu? Venant du blanc manteau, ouais. Je reconsidérais que c'était nos alliés. C'est inconcevable de vous tous. Oui, pas ton eau. Ah, il y a un code CD, ça. Oui. Ah, toi aussi. Oui. Ah, ils sont niveau 16. Ils sont pas comme c'est mignon. Ils sont pas forts les bonhommes là, non? Ouais, bah en fait, c'est normal, entre guillemets. Que le blanc manteau en normal, ils sont niveau 16. Oh, ils arrivent encore là. Ils arrivent, ils en... Arrivent non, en masse. Ils arrivent en force. Ils ont un prêtre. Ah non, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Ah, oh, j'ai eu peur, hein. Avec tout ce Ah, monde qui pareil. avait, tout ce monde qu'il y avait là. Ah, je vais gagner mes 10 points de répute. Bonne idée. Pas de profit. Pas de petites économies. Et hop, 40 points. Et hop, rang 2, nice. De quoi un rang 2 De réputation, de chasseur. Donc là, si on tue des ennemis, je gagne plus de points, sauf qu'on va plus en tuer, donc ça va servir à rien. Et pourquoi tu t'es que rang 2? Moi, je suis 3, moi. Non, c'est la prime. Rang 2 de la prime. Ah, oh, c'est terrible, mon javelot est dégueulasse. Il est où ton javelot? Il est sale? Bah, il est. Oh, j'ai un élite. Ah non, il est bien, il est normal. Oh, Morgan, il est le même que toi. Ouais, mais c'est parce que quand t'as une altération d'armes. C'est à chaque fois les mêmes skins. Tous les javelots sont pareils. Les épées sont pareilles. Ah oui, je vois. Même mon arc, il doit avoir une altération. Là. Non, celle-là, oui, il donne à tout le groupe. Tu peux resign, l'équipe. Ah oh, zut, c'est moi qu'on attendait. Non, mais moi je regardais un peu. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi j'admirais les choses, tranquille quoi. Du coup je crois que c'est tout ce qui te manquait. Après ouais. Ce qui te manque Xandra et machin là. Ouais. Xandra et Camus. Et ça il faudra que tu fasses le tournoi de boxe. Le tournoi de boxe? Oui. Ouais. Pour avoir qui? Xandra et Camus. Xandra et Camus. Oh, excellent build du côté de Camus. Ah, en vrai? Parce que maintenant j'ai quoi? RT? Nice! Tu avais dit qu'il y avait. On rappelle quelque chose. Il y a combien de RT? Il y en a trois. Il y en a trois au max. Moi, j'ai jamais fait vendu changement. Il y en a un que tu gagnes au. À la boxe. Au tournoi de boxe, voilà, c'est ça. Et le troisième, tu le gagnes comment? En faisant les quêtes du vent du changement, c'est les quêtes. D'élite de faction, on va dire. Ouais. Les quêtes. De la suite de l'histoire. En hard mode, il faut les faire. Donc, c'est une série de 35 quêtes qu'il faut d'abord faire en normal, puis en hard mode. Et en normal, tu gagnes un assassin, en héros et en hard mode. Ah, c'est le rituel en hard mode. Oui. Ouais. 35 quêtes pour avoir un. Oui. Ça fait un coup de 70 en tout, là. Oui. Et c'est des quêtes, il y en a certaines qui peuvent être coton. Ouais, ça pourrait être intéressant pour plus tard. Ouais, moi j'aime bien ces quêtes en vrai. Ah ouais? Ouais. J'avoue, je les ai jamais faites moi non. Je trouve l'histoire est intéressante, la difficulté elle est pas mal. Et puis c'est faction quoi. Ah ouais? Oh, c'est tellement stylé quand tu mets ton perso derrière le feu là. Voilà, c'est faction, quoi. Mais pas faction. Ouais, mais Nao adore. C'est pas faction, bah, en fait, c'est plus... Avant, maintenant, tout me va à peu près. Mais le souci, c'est que je trouvais ça beaucoup trop court. Ah.
Et pendant très longtemps, bah, j'étais nul. Et du coup, j'étais dans la ville. Et c'est moche. Bah moi, comme j'étais nul, je... Oui, non, mais toi, t'étais bloqué dans l'île, mais l'île, elle est stylée, tu vois. Ouais, mais moi, j'étais bloqué partout dans Faction. À chaque endroit, j'ai passé 1000 heures de Faction, il m'a duré 3 ans, quoi. Oui. Bah moi, j'ai bloqué comme tout le monde à Prophétie. Avec... Bah moi, je n'ai pas bloqué à Prophétie, hein. Je l'ai acheté après Nightfall. Bah si, pour te dire, j'ai passé le Nolani, j'étais niveau 17 et j'avais déjà avancé la crit. Et j'avais fait ça de manière involontaire. C'est-à-dire que j'arrivais pas à passer Nolani parce qu'on ratait tout le temps le bonus. Et on mourait sur les fantômes. Et du coup, je suis allé taper des hydres, j'ai fait « Oh, c'est marrant ». Et t'as traversé les cimes froides, quoi. Et en gros, je suis mort assez vite après le TP dans la descente du Yak et je suis apparu juste à côté. Du coup, j'ai fait bah, ok. Non, moi, je me souviens que je comprenais pas le désert, le truc des téléporteurs. Ah non, moi, ça allait. C'est évident, quoi. Oui. Ça va bien, ça. Ah ouais, c'est évident, mais je sais pas, moi j'étais coincé, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Après, faut aller dedans, tant que tu vas pas dedans. Ouais. Ah, mais il faut aller dedans et se retourner, quoi. Oui. Il fallait faire le code. Ouais, c'est ça. Je m'y rappelle. Ouais. Mais oui, on pourra faire les vents du changement pour les prochains points. Bah ouais. Je suis partant. Après, le seul truc, c'est que... Mettons qu'on commence les vents du changement maintenant. Enfin, ou jeudi. Qu'on fasse 3 quêtes. Si mardi, d'après, quelqu'un veut se joindre et qu'il a pas fait les vents du changement, bah, il faudra tout recommencer avec lui, quoi. Ou alors, il nous suit, mais ça lui avance pas ses quêtes, quoi. Oui, alors après, j'avoue, moi j'ai déjà fait des quêtes bah, pour aider, pour oui, accompagner, voilà. Et en vrai, c'est bon. Non, mais faut oui, mais faut juste pas que quelqu'un dise, ah ouais, quand on est à la 20e quête, ah ouais, je vais vous rejoindre, tu vois, parce que se retaper les 20 premières quêtes, bon. Oui. Mais c'est tout. Et je ferai avec mon envoûte, c'est pas fait. Ah, c'est bien, du coup, moi j'aurais. Reviendrait peut-être en autre chose, mais du coup, je l'ai déjà fait en rituel. Tu peux le faire en moine? Je l'ai déjà fait en moine. Tu peux le faire en... C'est peut-être pas fait en nécro, je sais plus. Je sais que t'avais aidé pour les quêtes en nécro. Je vais voir. Parce que quand c'était Olvar. Ah, maybe. Alors, on avait fait la quête où il fallait défendre la porte, là. Ainsi que la dernière, il me semble. Oh putain, ouais, je l'ai fait en nécro. Oh, il va me rester que des professions éclatées. En LM, je l'ai fait. Oui. Du coup, en rituel, je l'ai fait. En moine, je l'ai fait. En guerrier, je le fais pas parce que je garde la quête pour le farm. Ah oui. En parangon... Par en gros, je l'ai fait en normal mode déjà. Rodeuse? Rodeuse. Il sait pas. Faut qu'il regarde. Je vais voir. Ok, je regarde justement. Alors, je l'ai pas fait en hard mode et je l'ai pas fait en normal mode. Et ben voilà. Il y a la rodeuse à la limite. De toute façon, c'est soit rôdeuse, soit derviche ou assassin. Je pense que. Et si. Et encore derviche, je l'ai fait en normal mode. Aïe aïe aïe. Donc c'est soit rôdeuse, soit et comme assassin. Comme ça, on peut avoir 3 rôdeurs. Si Claire vient avec. Ouais. Nice. Quête du vent des changements, 3 rôdeurs, bonjour.
Ah, tu le trappes. Oui, tu trappes, ouais. Tiens, donc, toi qui aime bien faire des préparations. Mais il y a 10 ans. Ah, en vrai, je m'étais toujours dit, il faut que je fasse un build trap avec machin là. Il y a 10 ans de ça, je partais avec ma guilde, on partait dans une zone élite, là, on partait que avec des rudders. Et on partait avec les essences. Trap? Non, parce qu'on utilisait vannage. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais plus c'est quelle, ouais. Je sais plus c'est quelle zone qu'on allait faire. C'est vrai que ça pourrait être marrant. Mais on partait que avec des rudders. Ouais, vent favorable. Ouais, vanage. C'est ça, vent favorable, Zéphyr Zélos, c'est un truc comme ça. Ouais. Et on partait comme ça, mais je sais plus ce que je faisais avec cette guilde de l'homme. On partait avec Team Barrage. Hein. Ouais. J'avais fait de la Paraway, où on jouait que des parangons. Nice. En vrai, c'était drôle. Enfin, c'était drôle. Bah, tu peux changer de rôle, quoi. Ouais, c'était stylé, mais avec du recul, c'était atrocement nul, hein, quand même. Hein. Genre, on faisait Urgoz avec Concept, on était trop contents, tu vois, en normal mode. Et ben, c'était bien. Ouais, vous étiez full parangon, quoi. Ah, ouais. Et du coup, ouais, c'est pas ouf, quoi. Moi, j'étais là, ouais, vas-y, on est invincible. Bah, ouais, forcément, Urgoz en normal mode avec Concept. Mais bon, c'était fait. Parce que je pourrais venir en rôdeur aussi. Aïe, aïe, aïe. Non, reste en emboute. Il faut que quelqu'un qui arrive à nous. Il faut que je me trouve un build marrant à jouer en rôdeur. Parce que je joue trop Rupt en rôdeur en ce moment. Et ça me... Alors, j'ai un truc, c'est un rôdeur pet. C'est pas marrant. C'est pas marrant? Non, c'est pas terrible. C'est très situationnel. Je vais jouer Rodeur Dag comme les trois quarts des gens. C'est pas très drôle non plus. Non. Moi, je joue à l'épée en général. Comme ça, plus fun, tu vois. Non, tu prends marteau avec échappatoire. J'ai joué avec la nouvelle élite. La nouvelle épée. En Rodeur épée. C'est pas toi qui disais que c'était ridicule les gens qui prenaient la nouvelle. Mais là, c'est juste. D'accord. Parce que ça va bien avec, mais Ritu, tu vas. Enfin, déjà, c'est un arc plat en plus. Il se plaint tout le temps. Hein. Oui. Ouais, mais quand tu connais les trucs. Ouais, faut que je trouve un build marrant à jouer en rôdeur. Tiens, une question. Les vents du changement. Ça va rajouter des mobs sur quelle map? Alors ça va changer les mobs en fait. Oui, non, mais un peu comme Guerre en Crit, quoi. Ouais. C'est la cité Kaining. Ouais. Et Kurzik Luxon, oui, non? Très honnêtement, je ne sais plus, je crois que ça dépend des quêtes que tu as à faire et de où t'en es dans les quêtes des vents du changement, justement. Mais après, de toute façon, à un moment, tu prends une quête et ça t'enlève tous ces mobs-là, qui sont rajoutés, donc. Ah, d'accord. Ah, t'as une quête pour enlever les mobs en plus? Ouais. Pour retourner comme avant, tu vois, parce que sinon, je te dis pas, même le lagon des jus, tu vois, au-dessus de Zen des Junes, avec les mobs, ouais, des vents du changement. C'est horrible. Oui, non, mais c'était normal mode. C'était pour ça, pour faire les vidages de zone avant. Oui. Non, ça t'a une quête après, donc c'est bon. Et contrairement à Guerre en Crit, ce qui est bien, c'est que les mobs apparaissent que quand t'as commencé à prendre des quêtes, alors que Guerre en Crit, même si t'as pas pris des quêtes, les mobs sont là. Oui, il y en a quelques-uns qui pop là. Pom, 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 pom. Tu voulais encore faire un truc là, qui ou... Bon, non, je voulais faire. Non. Après, il y a la chasse aux élites, mais je sais pas trop. Est-ce que je peux aller chasser?
Ah, moi, tu sais, quand tu parles de chasse aux élites, tu parles à mon cœur. Hein. Alors, rôdeur. Ah, ok, ça je le trouverai pas, ok. Est-ce que tu sais si t'as toutes les élites en rôdeur, Becky? Non, je ne sais pas. Je sais qu'il les a pas. Je ne sais pas en vrai, je sais pas du tout. Vas-y, on va chercher quelques élites de rôdeur. Alors, attends. Hop. Rendez-vous au centre de Kaineng. Je suis au centre de Kaineng. Oui, moi aussi. Alors Pierre Sertir, il va m'aider. Hop. Dis-nous ce que t'as en élite, en adresse au tir, par exemple. Ouais. Adresse au tir. Alors, on est parti. Flèche à pointe large, tir de barrage, tir incapacitant. Ok. J'ai rien de plus. Alors, il y a coup préparé et flèche brûlante. Tir de représailles, t'as dit que tu l'avais? Non, j'ai dit flèche. Ouais. J'ai dit flèche pointe large, tir barrage, tir incapacitant. Flèche à pointe large, tir de barrage, tir incapacitant. Ok. Tu nous invites 10 grammes dans le groupe. Il s'est caché où? Hop. Là. attends, il y a tir de Mélandrou. Pourquoi j'ai Jean avec moi là? Il y a préparé, brûlante et tir de Mélandrou. C'est ça. Oui, hein, représailles. Ouais, et représailles. Bon, je joue tout le temps, en vrai. TP-nous à Cavallon. Ok. Cavallon, c'est là. Vérifie quand même que tu as des sauts de capture. C'est bon, j'en ai un. Ah oui. Attends, je vérifie. J'en ai un. Et j'en ai combien là en dessous? Un. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai 6 en tout. 6. Je vais juste en racheter 4 juste pour dire. Que je sais pas la vitesse que ça va se faire. C'est lequel que tu veux prendre? Flèche de Mélandrou. Ah oui. Voilà, j'en ai une dizaine là. Ah oui, en effet. Et après, tu m'avais dit direction à Cavallon. Cavallon. Ça va être loin. À ne pas mettre un S derrière, sinon c'est le verbe, hein, bien sûr. Ah. C'est ce qu'on risque de faire. De quoi? Est-ce que tu parles de S là? Bah, Cavallon. Nous, Cavallon. Ah, ok, les gars. Non, vous faites des jeux de mots, les gars. Hein. il est presque 3h du matin. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Oh, mais c'est Titu. Quelle est cette voix angélique? Bonsoir, Titu. Comment allez-vous? Eh ben, c'est la voix d'un parent. D'un quoi? Je ne connais pas ce mot-là. Bah, une voix angélique, la voix de parent. C'est tout, hein. Tu nous rejoins ou pas? Bah ouais, du coup, je sais pas si vous continuez ou pas. On va faire quelques chasses d'élite. Yes, allez. On est à Cavallon. J'arrive. Et tu viens en quoi? En moine. En moine? Oui. En moine quoi? Bah, île ou prot, ça dépend de ce dont on a besoin. Ah, on avait besoin d'un châtie, mince. Ah, quel dommage. Viens nous, Talcora. Mets-toi en prot. Je préfère que je vire Talcora. Oui. C'est le but de... Enfin, 10 grammes préfèrent qu'on vire Talcora. C'est le... Entre Don Coro et
Talcora, c'est Talcora qui a le plus pourri, c'est ça. Tu peux le dire, hein, tu peux... Je crois que c'est un build que j'ai fait moi-même, donc... Non, c'est juste que Dunkoro est deep, comme le dit Gram, et on envoûte. Quel beau pense. Titre ce titu. Comment? Le défenseur. Oui, c'est le plus beau. Le plus beau. Défenseur. C'est quoi ça déjà, défenseur légendaire? C'est ah, niveau 20 dans le il y a pas longtemps, Lucky. Ben ouais, mais je l'ai pas, celle-là. Je l'ai qu'avec mon deux perso. Je peux pas l'avoir avec ce perso-là. Ah, bah oui, mais tu l'as fait avec ton autre perso. Ah ouais, mais elle quittera jamais. Elle quittera jamais l'Eden. Vu que ça sera mon perso qui fera un petit peu comme vous. Un petit peu comme nous, c'est-à-dire. Qui ira à la rencontre des nouveaux et. Oh! Et redonner plaisir à jouer à Guild Wars. C'est beau. On fait ça, nous? J'étais pas au courant. Ah, si, hein, franchement. Moi, c'est l'inverse, c'est le nouveau qui me donne envie de jouer à Guild Wars. Ah ouais? Carrément, quoi. Et tu peux capturer et. Ah bon, c'est déjà fait? C'est une blague. Ah oui, il est juste là. Ah bah oui. Oh merde. Oh bah ok, là, on se casse alors. Et ensuite, tu pourras virer tes héros et nous TP à Kamado. Ouais, c'était très rapide. Ok. D'abord, retourner en ville. Ah, t'inquiète, moi, la speedrun, la capture d'élite. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Tu veux faire le titre? Tu demandes juste à Nao de venir, c'est bon. T'as fini. Surtout ah, la tienne, le budget. La speedrun. Non, mais tu... Il y a, je sais pas, il y a combien d'élites en tout? Il y en a plus d'une centaine, non? 300. 300, ouais. Donc ça oui. Ouais, ouais. Il y a 300 élites et tu sais où ils se trouvent tous? Non, c'est pas possible. Quasiment, ouais. Si, si. Oh, ouais, vraiment, c'est impressionnant. Genre, allez, Havre de Yolon. Oui. 300 élites. Tu lui dis, je dois capturer ça. Il te dit, ah, ce boss-là, il l'a. C'est le plus simple dans ceux qu'il a. C'est un délire. Ah, en vrai, il y en a quand même que j'hésite. Souvent. Attends, que je regarde un petit peu dans mes compétences. Je trouve ça plus inquiétant qu'autre chose, mais... Tu vois, au début, quand je disais... j'ai arrêté de le dire, mais au début, je disais toujours... Quand je parlais de Nao, je disais que c'était une encyclopédie dans Guild Wars. Ah, mais clairement, c'est le Wikipédia de Guild Wars. Bon, là, on remet les héros. Je vais en trouver une que je sais pas où chercher. Là. Coup enragé, merde, c'est où ça de nouveau? Lequel? Tu vois, coup enragé, c'est dans la danse du serpent. Non. Non, c'est. Représailles, ça, pardon. Non, coup enragé, là, c'était en domptage. On n'a pas de héros, attention, Migram. Ah, pardon, j'étais en. C'est celle qui donne blessure profonde? Oui, c'est celle dans Quartier Elle est Nappuie. À Kaining. Enfin, Kaining... Quartier Nappuie. Quartier Nappuie, ouais. Alors, sur la petite île. Ça, je sais. La, 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 la. En même temps, celle-là, j'avais retenu vu que... C'était pour Shere Khan. Qu'est-ce qu'il a, Shere Khan, encore? Bah non, mais c'est parce qu'il me fallait des compétences pour lui. Ah bah non, en rôdeur, je sais où elles sont toutes. Mais... Attends, lesquelles j'hésite à chaque fois. Celui de l'anniversaire, il est où? Valet de Sacknoth. Il est? Valet de Sacknoth. Ah, Pie of North. Yes. Il y a quoi? Il y a Derviche, Parangon,
Quoi? Et l'aime Nightfall? Et arrive par en gros moine. Ah, moine. Tu nous mets juste Goren là et c'est parti ou quoi? Moi, je suis chaud. Hein. Je lis que Goren par contre. Allez, c'est bon. Allez. Ah bah, okay. Non, non, mais c'est une blague. Allez, allez, non, non, let's go. Dit, c'est bon, let's go. On s'en tague les mecs. C'est ouf. Hein. Il va se faire défoncer, Goren. Quoi qu'il a un marteau rhinocéros, alors attention. Ouh. Attends, mais non, laisse tomber, j'ai pas pris l'élite, j'ai pas pris le... T'as pas pris le set capture. J'ai pas pris le set capture. Aïe, aïe, aïe. Je rentre. Dans les pièces, c'est bon. Oh là là, alors que regarde, on avait si bien commencé, là. Ah, ça y est, le boss est mort. Vous me faites faire des conneries là. Franchement. Non, pas qu'avec Goren, ils sont ouf. Je suis pas dingue. Je vais pas avoir le temps. J'essaye, j'aurai pas le temps. T'as le saut de capture au moins. Ouais, ouais. Oui, j'ai attendu qu'il le mette sur le stream. Et comme il y a un décalage, ah, c'est sûr qu'il l'a. À moins qu'il l'ait enlevé entre temps. T'imagines? Enfoiré, tu m'as tu surveillé. Oh, t'as même pas 16 en expertise, là, Nao? Non. C'est quoi, ça? Je suis un ancien, moi. Je joue pas avec 16 dans mes caractéristiques. Il fut un temps où c'était aberrant de mettre 16. Surtout en expertise. Et j'ai jamais changé. Voilà. Ah, mais j'ai même pas ma... Voilà, j'ai même pas mon armure de... Je sais même pas, je sais à combien. Il est en train de nous dire qu'il joue tout nu là. De domptage. Oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Goren en, carrément en attaque. Quoi. Il va foncer sur tout ce qui bouge, t'abruti. Ouais, bah ok, bah c'est bien. Non, c'est pas lui. Bah non, je suis pas le seul rôdeur pourtant. Ah, tu joues avec quoi toi? Non, il y a. Avec le nouvel élite. Oula. Je marche tout doucement là. Aïe aïe aïe. Tiens bon. Hein. C'est ça de vouloir jouer les shows là. C'est bien passé non? Mais c'est pas fini encore. Bon. T'as ton élite, c'est bon. Ah non, je l'avais déjà. C'est bon, j'ai l'élite, ouais. C'est quoi la dernière qui te manquait? La pierre de représailles. Allez. Allez, coup préparé aussi. Ouais, coup préparé à 8 du Nord. Ouais. Vas-y, je la fais encore plus rigolote alors. Je prends pas ce mini niveau 20. Allez, j'ai pas eu un plus petit que j'ai là. Voilà, fais les XP là. Y'a qui encore qui peut XP là? Ah non, pas toi, t'es à fond, dégage. Ah, la classe que je n'aime pas du tout, allez hop. Par contre, du coup, il y a un monde où il y a trop de. Il y a trop de gens à heal là. Bah tu t'en fous, tu me laisses crever.
Rendez-vous à l'œil du Nord. À l'œil du Nord. Un rendez-vous. Après, il va se démerder. Il y a des rôdeurs. Les rôdeurs, moi, ils se soignent tout seuls. Hein. Il faut qu'ils se débrouillent. Oh, j'ai la flemme d'aller chercher flèche punitive, là. Tir de représailles. Peut-être ça en français, ouais. Oui. Oui, elle est chiante à chercher. Elle est pas au niveau des Draiders, quoi, mais... De quoi? Ouais. Tir de représailles. C'est toi le chef, Lucky. Ouais, ouais. Il n'y a même pas de... Pour l'œil du Nord, tu t'épais dans le vortex à côté de Kamano. Il n'y a même pas de d'élite, le l'assassin à deux francs. Là. L'œil du Nord, le vortex... Ah, portail Azura, ouais. Là. Ouais. Let's go, du Nord. Il va bosser comme un ouf, là, altitude. Ouais. Je vais nous TP à l'œil du Nord, du coup. Je vais dormir à moitié, vous allez tous mourir. Ça va être fun. Moi, je pense que l'envoûte, il reste en vie. Mais... J'ai pas de quoi courir. J'ai pas de heal. T'as des dégâts. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Le meilleur contrôle, c'est la mort de l'adversaire. Je suis d'accord. Attends, il y a un saut de capture. Ouais, c'est bon. Ok. Dès que je suis rentré, c'est la première chose que j'ai fait avant de mettre les héros. Salut, Takré. Hey, comment ça va? Hey, comment ça va? Ah, il faut que je lui donne des trucs, lui. Il a une quête pourrie à faire, là, pour Gwen. Faut que je lui ramène plein de trucs. Ouais, c'est... En plus, il faut lui ramener des trucs spéciaux, sinon il n'est pas content. Ouais, je suis allé regarder sur Internet, alors je mets de côté, là. Cours! Attaque, Digram, attaque. J'essaye. Tuez les loups. Oh, le boss me déchire. Oh non, je l'avais déjà. Oh, c'était trop rapide. On va faire encore tir de représailles, il est bien long. Manqué. Non. J'ai pas d'anticondi en plus. Nice. Et tu peux nous téléporter campement Rancor ou camp militaire? Au camp militaire de Deldrimor. C'est là où il y avait la fournaise. Camp militaire. En plein milieu des cimes froides. Alors, il y a quoi comme skin bot en voûte? Quoi? Non, je regarde les trucs qu'il y a là-bas. Arme illusoire. Ah, les comptes d'envoûte. Ouais, il y a Armée illusoire, à l'est, il y a Saut de voûte. Il doit y avoir Angoisse paralysante dans les parages, Vavi, dans l'empreinte de Drain. Je vais mettre deux. Encore plus au sud, Lucky. Hein.
Vous allez où? Rancor ou... Militaire de Deldrimbor, je dirais. Ok, ça tombe bien, j'ai pas Rancor. Merci, Titu. Je te voyais chercher, là. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième coupe de rôdeur? Non. En plus, je suis gâté ce soir, là. On a, il y a potentiellement une flèche de mélandreux, mais je crois. On a l'encyclopédie et puis j'ai un cartographe. Je ne l'ai même pas fait encore, le cartographe. Je ne sais même pas. C'est pas assez horrible. Ah, bah, on va dire que c'était bon. Bonjour, prospecteur nain. J'ai du lag. Ah, ah, c'est pas bien ça. Et interrompre là. Aucune idée, franchement. Quoi, bah c'est bien, non? Après, mes rôdeurs, ils ont tous. Il allait pas le lancer. Bah si, il allait le lancer, son pote de berger à deux balles. Il allait pas tenir. Et quand j'ai la chance de le voir partir, j'interrompe. Ça m'énerve. C'est bien. J'ai deux rôdeurs, ils ont pas de pète. C'est pas bien ça. Hein. J'étais pas là. Tu vois, je suis pas là, ils sont pas de berger là. Pas de géant là. C'est bête. Ah oui, en fait, faut pas que je fonce comme un. Ouais, je suis solo là, je suis pas sûr de pouvoir tenir tout le monde. Hein. Ouais, du coup. Surtout en moine, les îles de zone, c'est pas trop ça. Du coup, si je peux en tenir un qui tente à peu près, c'est bien. Du genre Zenmei, quoi. Ouais, par exemple. Ouais, Zenmei, putain, vache. Aïe! J'ai l'impression qu'il te fait bosser, mais. Non, ça va parce qu'il y a Nao qui va bien devant. Donc en vrai, c'est ça va, c'est facile. Tu joues en quoi toi, Nao, là? Un rôdeur épais. Un rôdeur épais? Ouais. Enfin, un pile marrant en rôdeur. T'es un rôdeur guerrier? Oui. Ouais. C'est pas bon. C'est à qui celle-là? C'est à toi, Digram? De quoi? Scarabée, là. Non. C'est Nao. C'est Nao, là? Ouais. Non, moi, je suis passé en araignée de mousse. Je suis sûr que t'en avais un de Scarabée, oui. À l'époque. Non, je suis pas fou, là. Thank you.
Encore un nain. C'est vraiment le plus fun, les villes hybrides. Hein. Tu nous joues quoi de beau, là? Je joue un truc un peu bizarre. Mais en vrai, ça marche plutôt bien. Avec l'aura inflexible pour avoir un rez. En prot, j'ai que le bouclier d'Apso. Et c'est le plus important. Et après, d'huile. Qu'est-ce qui est monté avec la niveau, graine de vie, la graine de guérison, tu vois, pour d'huile un peu prot. Et j'ai pris la guérison de groupe. Ah, j'ai jamais. Et tu tiens comment en énergie avec ce truc? La glyphe d'Elem, là. Oh là là. Bah, juste pour spammer deux fois la guérison de groupe, et après, normalement, tu t'en passes. Je déteste la glyphe, je déteste Aura Inflexible. Bah, pas grand chose. Pas spécialement fan, mais au final, d'avoir un res qui booste tes heals, c'est quand même pas mal, quoi. Puis un res instant. Quand t'es solo heal, franchement, c'est pas mal. Hein. Je dis pas que c'est nul, je dis que c'est pas marrant. Enfin, je ne trouve pas ça marrant. Voilà, le niveau 12, il tiendra pas. Hein. Ou alors, si. Je t'avoue que je le voyais mort avant la fin du cast. N'empêche que depuis qu'il est parti avec vous, il a gagné un niveau. Il était niveau 11. Et le 19, il était 18. Oh. Alors, boule de rein, t'es où? Boule de rein. Ouais. Oh, des embrasures. Oh, c'était des méchants. Il y a longtemps. Ils sont chiants, eux. Oh, yes, il est là. Easy. Oh là, tout le peuple. Ça va faire mal, là. T'inquiète, bouge pas. Ok. Oui, absolument. Je suis sur le 1. Oui. Pourquoi toujours moi? Mais parce qu'elle a fait une fixette sur toi. Hein. Je crois que c'est toi qu'elle est amoureuse. Au final, elle s'en fout de moi. Hein. Franchement, ce serait normal, mais bon. Elle est en train de dire bah oui, en plus. Tu peux capturer. C'est capturé. Ah bah d'accord. Est-ce... Ah, il a besoin de personne là. Qui ça? T'as même celui qui s'avance, c'est moi qui tape. Non mais. Mais non, ils vont stun. Enfin, c'est trop facile en fait. Mais oui. Oh, bah, il y a mantra de rappel ici. Bah, je l'ai peut-être pas. Impeccable.
Ah, j'ai pas assez de sub capture là. Moi j'en ai un. Ouais, bien sûr, pas sur moi. On a XP sans cesse. Que... Me déteste ? Pourquoi tu l'as déjà ? Ouais. Là, on va tuer pour le plaisir, là. Oui. Ah, j'étais trop dans le plaisir, là. C'est qui avait pas fait son resign, là ? C'est moi. Je suis coupable. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Bon, ça y est, là, j'ai fait tous les adresses de tir, là, non ? Oui. Et moi, je vais vous abandonner ici. Lâche. Et vous retrouvez jeudi, bien sûr. Lâche. Du coup, on fait les vents du changement ? Ouais, ouais. On peut... Je sais pas si on peut... On va en parler... On en a parlé aujourd'hui, on peut essayer d'en parler jeudi, puis on va attaquer mardi, plutôt. Ouais, on fera des élites jeudi. Et puis on continue de... on peut faire des élites jeudi, puis, puis on part sur mardi, le vent du changement. Ou alors, 10 grammes, si t'es là jeudi, t'aideras Lucky à faire son verger de Tiark. Au moins, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi aïe, aïe? Je suis moins bon que toi. Hein. Pourquoi? Il est en galère comme moi, Lucky. Comment ça en galère? Mais moi, déjà, je connais pas les émotes et tout. Bah, c'est je ça, sais, c'est je pas... sais juste qu'en normal, on était à deux avec Nao, où il nous streamait via Discord pour pas qu'il y ait de délai. Ouais. Et moi, on lui disait, pareil. J'avoue, il est en vocal avec moi, je lui dis, ouais, il est en train de faire ça. Et du coup, il me dit les émotes. Et ça marche pas bien? C'est pas bon? Bah si, justement, c'est un Nao qui... Si, si, ça marche, mais moi, je les connais pas toutes. Oh, mais si, la dernière fois, tu les as fait toutes. Non, il y en a... Il me semble qu'il y en a genre deux que je connais pas. Ah, et il les met à la sixième ou septième à chaque fois. Ah, mais je serai là, mais... Moi, à part Dench et puis Knil, c'est tout ce que je sais faire, moi. Ah, slash coucou. C'est quoi, slash coucou? Il fait coucou? Bah, regarde. Ouais, voilà, il fait de la main. Je pense que la réponse est dans le nom. Non, et puis guitare, ça va. Ah ouais, il fait coucou. Je suis en train d'emmener le nain dans le fossé. Et la flûte, ça existe? Oui. Allez, on le stock. Mais... Ah ah. On fait moins le malin, hein. Ah ouais, il fait du pipeau. Ça, c'est une barbe comme ça qui manque à mon moine, là. Une vraie beubard. Une barbe comment? Comme le nain, là. Comme le nain. Le nez, par contre, vas-y, quoi. Ah bah, c'est un nez de nain. C'est vrai que les nains ont des gros nez. Et pourquoi le nain, il a l'air d'être aussi grand que moi? Pourtant, moi, je suis pas une naine. C'est un grand nain. Mais après, Titu... Je crois qu'il est aussi grand que moi. Hein. Ouais. C'est parce qu'il y a... Moi, je suis fan des nains. Ça me va. C'est pour ça que je fais mes persos tout petits. Parce que je regrette de ne pas pouvoir jouer un nain. Ah ouais. Et même dans le 2, tu... Dans le 2, je joue Azura. C'est le plus petit possible. Ouais. Ingénieur ? Un boucave. Bon. Gardien ? Non plus. Boucave. Parce que, comme t'es fan de Derviche, oui. J'aurais dit, tu vois, gardien, c'est le truc qui me rapproche un peu, quoi. Alors, pour la petite anecdote, je raconte ma vie, on s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. À la base, mon tout premier perso, c'était un gardien. Et puis, je me suis fait hacker mon compte au bout d'une semaine de jeu, après la sortie.
Ah oui, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de gens, ouais. Et du coup, le mec avait XP sur mon perso et tout, il avait découvert des zones que j'avais pas vues, donc j'ai recommencé. J'ai recommencé un LM et depuis, bah, c'est mon main. Ah. Bon, après, j'ai toutes les classes. Hein. Oui, non, mais ouais. Oui, bah, comme tout le monde, enfin. Moi, j'ai pas toutes les classes, hein. J'ai qu'un rôdeur. Moi, j'ai qu'un envoûte. Il y a des envoûtes dans Guild Wars 2. Ouais. Il ouais, n'y a pas de derviche par contre, putain. Et il n'y a pas de moine non plus. Il y a... y a revenant. La merde. Un peu de derviche. Oui, c'est de la merde. Ouais, mais c'est compliqué, je trouve. Hein, parce que, en fin de compte, t'as que 4 coups de base que tu peux choisir. Parce qu'après, à ce que j'ai vu cette semaine, ce que j'ai réessayé un petit peu. 5. 5. Bah, t'as 5 compétences d'armes, un heal, 3 compétences utilitaires, ton élite, plus tes trucs de spé qui sont sur tes F1, F2, F3, F4 et possiblement F5. Mais je veux dire que les coups, ça, c'est par rapport aux armes. Quoi. Ouais. Ouais, mais après, t'as les 5 compétences de ton arme première, et ensuite tu peux changer d'arme. Ouais, tu peux switcher. Et t'en as 5 nouvelles. Tu peux switcher. Ouais. Non, au final, il y a beaucoup de sorts hein, quand même dans un kit. Hein. Et puis, si tu joues par exemple ingénieur avec le lance-flammes, ouais. Les bombes, les grenades, t'as pas mal de comp. Est-ce que vous aviez déjà vu qu'il y a un Doliac là-bas? Où ça? Il est paumé là-bas. Non. Ah ouais, tu sais là-bas. Non, il y en a deux. Ah, yes. Il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux? Ouais. Et il est RP, il y en a dans le trou. Ils sont RP, ils font le jeu en duo. Eh non, il y en a trois, il y en a trois. Si tu te places autrement, t'envoies un troisième entre les deux. Ah oui. Ah mais ouais, il y en a plein en fait. Quoi? Selon. Ouais, sur le stream de l'équipe, effectivement, je vois le troisième. Ah oui, là. Ah oui, alors, je vois le trois. Et alors pas mal. Selon comment vous vous placez. Et voilà. Et ça, Nao, avec ses 15 000 heures, il ne les avait pas vues. Aïe, aïe, aïe. Ah, et après, on dit que je connais le jeu, quoi. Oh, attends, il connaît 300 élites. Wikipédia, mon cul. 300 élites. 300 élites. Moi, j'ai 15 mois à apprendre tous les lundis, là, et je suis pas sûr de les connaître. Ah, attends, je peux te faire une liste des mots que tu as à apprendre pour jeudi. La Wave. Flex. Ouais, Flex. Vous. Excited. Ah, ça, c'est les mots de pour le verger. Oui. C'est ça. Après, on peut tricher, sinon. Comment, ah ouais, comment on peut faire? Ah oui, on peut pas payer. Si, tu payes 5K. Il y a ça. Apparemment, ouais, mais j'avais jamais capté que pour moi c'était tu skippais. Tu peux payer? Tu skippais, ouais. Le truc du vase, c'était pas tu skippais. Bah oui, c'est le truc du vase où tu peux payer, non? Oui, mais en fait, tu peux faire les deux. Je sais plus c'est dans quel ordre, mais en gros, tu fais avec l'un, plus je crois que tu as le vase. C'est 100% les quêtes pour la le vase. Thune et après le vase. Hein. Et tu donnes la thune et après tu donnes le vase, il me semble. Mais ça te compte pour deux, et du coup, t'as pas besoin de faire le mime. Mais il va falloir que j'aille voir ça. Plus jamais je fais le mime. Pour 5K, mais j'en ai rien à foutre. C'est rien, 5K. Oh, c'est problème de riche, quoi. C'est rien, ah ouais, 5K. Mais jeter 5K, c'est triste. C'est pas jeter, ça fait gagner une demi-heure à chaque fois. Quand t'es en solo, tu jettes des objets partout sur toute la map. Parce que j'ai pas de place. Oui, non, mais. Donc 5K, voilà quoi. Ouais, tout ça pour garder des objets verts inutiles, mais bon. Oui. Et pour garder les cons aussi, pendant très longtemps. Alors qu'il n'a pas le droit de les utiliser, ouais. Non, c'est non bon, mais je les ai bravo. Je suis d'accord avec toi. Bravo. Je suis d'accord avec toi, moi, Digram, sérieux. Quand tu le regardes soloter en stream. Frustrant, c'est, hein. C'est frustrant tout ce qu'il laisse. Moi, je. Je suis un ninja, quoi. C'est une poubelle. Ouais, mais après, je comprends le fait de garder les verres. Non. Non. Merci. Non, vraiment pas. Si. Parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, et non, mais ça, c'est quand Les verres, gosse. C'était vraiment le truc trop bien, quoi. Non, mais il y a un moment, on n'est plus gosse.
On moi sait aussi, que hein. Les VR là, c'est de la merde. Ils sont pas tous nuls, il y en a quelques-uns qui sont bien. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Non, mais même, tu gardes. Tu fais un putain de perso solo, tu sais que tu vas pas avoir de place, tu gardes ce dont t'as besoin, c'est tout. Oui. Mais après, il a pas besoin de thunes. Ben, il... Non, mais il a besoin de place. Et garder des verres. Il boit thunes. Il le dit pas, mais on le sait. C'est l'homme le plus riche de Guild Wars. Oh là, alors là, de loin pas. Non, ça doit être... Non, les personnes les plus riches, ils ont des gros le, dans l'Éden. C'est Dixie, elle a plein d'ecto et tout. Oui, ou Kanakzai, ou... Dixie, elle est pétée de tuer. Ils ont des pandas non dédiés. Non dédié. Ah, pour moi, c'est Kanakzai, hein, le... Enfin, Kanakzai, la grenouille. Le truc qui vaut le plus cher du jeu, c'est moi. J'ai rencontré Nao, je suis riche d'amis. Oh, c'est beau. Après, il a peut-être douté, Kanakzai, il savait pas. C'est parce que t'as Kanakzai qui est riche. C'est des pets que tu peux pas looter. C'est des pets qui. C'était des, je crois que c'était un concours, Kanakzai, ou une connerie. Enfin, c'était une édition limitée. Du coup, tu peux plus en avoir. Il y en a 10 dans le jeu, point. C'est tout. Ou 20, voilà, je sais plus. Voilà, blinde que ça doit coûter. Ah, ça n'a même pas de prix, en fait. Tu peux pas le vendre. C'est ça. Si tu le vends, en fait, tu te fais arnaquer, quoi qu'il arrive. Ah, je t'avoue que pour 1000 embrace, je veux bien me faire arnaquer des fois. 1000 au moins. Ah, mais en fait, je sais pas, je saurais pas quoi faire avec. Ouais, puis ça sert à rien en plus. Ah non, ça sert à rien. C'est... Franchement. Hein, c'est vrai, c'est comme les prix dans l'Eden qui m'amusent un peu. Ah bah oui, hein, c'est. Ou les trucs genre les golds dans l'Eden ou les tomes. Ouais, alors ça, c'est. Plus dangereux. Ouais. Il y avait quelqu'un qui m'avait montré un gold. Un gold dans l'Eden. Ouais. Oh, il y a eu un moment où il y avait eu un bug, je crois, et tu pouvais avoir accès à ton coffre de compte dans l'Eden. Et il y en a qui ont pris des tomes élite ou normal et ainsi que des golds. Ah, j'aurais fait toutes les compétences du jeu dans l'Eden. Sauf que une grande partie de ceux qui ont fait ça, ils se sont fait taper dessus. Ils ont été ban. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça. À coup de delete. Ah, c'est ça, quoi. Ils se sont fait ban. Il y a Doom qui est passé, quoi. Normal. Bon, quoi. Allez. Moi, je vous abandonne à jeudi. Je vais pas tarder non plus. Ouais, moi non plus. Bonne soirée. Oh, y a des Yeti en mini-pet dans les zones. Oui. Ah, le Growl est à 1250 ceinture noire. Ça sert tellement à rien, un mini-pet. Je vois pas comment tu peux avoir envie de payer autant pour... C'est des collectionneurs. Hein. Ouais, mais... Ouais, moi je suis pas fan non plus des mini-pets. Il y a un moment, c'est vraiment juste tu sais pas quoi faire de ta thune, quoi. Titu, t'as les mini-pets dans Guild Wars 2 ou pas? Les collections? Les collections de mini-pets? De mini-pets? Non. Je m'en fous, moi, tout ça, vraiment. Mais non, mais je me suis dit peut-être que. Ah, tu vois, il dit ça dans la fin. Et... Même, je fais pas les succès et tout. Je m'en fous complet. Hein. Là, tu fais que du MCM? Oui. Totalement. Quel serveur? Je viens de changer là. Je suis allé sur, je sais même plus, Noirflow, je crois, un truc comme ça. Ok. Je sais pas, je suis sur lequel. J'étais sur RA depuis la sortie du jeu, sinon. Moi j'étais sur Place des Visunes. Je suis toujours sur Place des Visunes. Un jour on se tapera la gueule. Oh là, ouais, j'ai perdu. Peut-être pas. Comment c'est... Ah si.
Ah, il y a du... Oui, bah oui. En gros, en MCM, j'étais un gros gardien qui était juste tanky, qui allait dans les robots et qui tapait les... Enfin, aller dans les robots, s'occuper des béliers, etc. Et quand j'allais rejoindre le bus et qu'il y avait le voleur qui faisait des... tentait de tuer, il voyait qu'il me tuait pas et du coup, ben, il repartait. Ah, moi, je fais que du roaming en plus. Tout ce qui est bus et tout, c'est pas mon truc. Ben, en fait, j'ai surtout fait lors de la première saison MCM. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt le voleur dont tu parles, tu vois. Nous, on se met derrière le voleur qui TP de partout. Nous, on se met derrière les bus et on les chasse. Et on les grignote petit à petit, tu vois. Ouais, mais grignoter derrière le bus, je trouve ça bien. Parce que, enfin, maintenant, c'est plus le cas, mais avant, quand il y avait l'explo qui compte, le MCM comptait. MCM, c'est une chaîne musicale, ça. Et puis le bus, c'est dans Fortnite. Presque, ah, presque le kick. Oh, non, c'est, presque ça. C'est presque ça. Non, c'est quoi du MCM? Un peu de sérieux. C'est le monde contre monde. Il y a trois serveurs. Enfin, voilà. Ensemble de serveurs qui se tapent dessus. Et ils sont trois parce que ça permet de... Si jamais un est trop fort, les deux peuvent s'allier contre. C'est un peu du PVP, quoi. Ah, bah, c'est complètement ça. C'est du PVP, mais de masse. Okay. Genre, on peut être 80 dans chaque camp, sur la même carte. Du coup, ça fait des gros combats, des fois. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, t'as les deux bus qui se rentrent dedans, et ça fait un peu comme deux vagues qui s'éclatent. Donc, elles se rentrent dedans, elles éclaboussent un peu, puis ensuite, elles s'éloignent, et puis ensuite, elles reviennent, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait une vague qui ait disparu. Et après, le but, c'est de capturer des forteresses et tout, tu vois, et puis de les garder le plus longtemps possible, parce que du coup, ça te fait gagner des points pour ton serveur. 80 contre 80, face à face, là. Ça doit faire une... Ouais. Ça doit faire un champ de bataille, quoi. Ah bah, c'est le principe, hein. Ah, ça peut être sympa. Le but, c'est de se taper dessus. Après, ça veut pas dire que c'est du 80 contre 80 contre 80 tout le temps, hein. C'est le maximum, il y a tant de gens sur cette carte-là, tu vois. Mais moi, c'est ce que je disais, ce qu'on appelle les bus, c'est justement les gros regroupements de personnes où il y a 30 personnes et plus qui sont en train de suivre un commandant. Ouais, ouais, ouais. Et genre, moi, je fais pas du tout ça. Nous, on est 5, c'est un exploit, quoi. Non, mais ça doit être bien, ça doit être beau, c'est... Bah, surtout avec le système de combat de Guild Wars 2, honnêtement, c'est génial. C'est, à l'heure actuelle, je pense, encore le meilleur système de combat qui a été fait. Ah ouais? Ah, dans un MMO, ouais, largement. J'ai pas fait assez les autres, donc... Non, mais c'est peux pas trop juger. Le plus que j'ai fait, c'est en MMO, on était 40, ouais, c'est 40. C'est sur WoW. Bah, disons que là, il y a tellement d'interactions dans un combat, tu vois, sur le 2, t'as tellement d'interactions par rapport à... aux zones qui vont être posées au sol, tu vois, tu peux faire des choses dedans, soit faire des explosions, soit sauter, et du coup, quand un pote à toi pose une zone, tu peux réagir, etc. Et tu vois, ça crée des interactions qu'il n'y a pas. Oui, et puis les combos de zone dans aussi. Les autres jeux. Ouais, c'est ça. Vraiment, il n'y a aucun autre jeu où j'ai vu un truc même qui s'en rapproche. Mmh. Du coup, c'est fun, c'est très fun, faut essayer. Après, quand tu débutes aujourd'hui, je pense que c'est un peu dur. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des builds bien cancer, qui savent jouer. Donc c'est sûr que si tu commences aujourd'hui, que t'es pas forcément stuff et tout, ça doit être chaud. Ouais, le MCM, c'est... Bah, tu fais les bus, et une fois que t'es devenu bon, tu fais ce que tu veux. Non mais là, j'irai pas le faire. Déjà, en plus, le truc, j'ai même déjà du mal à gérer ma sensibilité de souris quand je joue à Guild Wars 2. Oui, mais ça, c'est le coup de main à prendre. Parce qu'entre Guild Wars 1 et Guild Wars 2, je trouve que c'est pas la même sensibilité, je trouve. Ah oui, non, c'est le seul jeu, point commun, c'est le nom. Ouais, le lore, on va dire. Oui, il y a le lore, bien sûr. T'as tout l'univers qui est le même, mais sinon, en termes de mécanique de jeu, ça a rien à voir.
Parce qu'à chaque fois que je joue, je me retrouve à regarder. Soit je vois que le sol, soit je vois que les étoiles. C'est tellement que c'est sensible. Ah. J'ai putain, mais ça m'énerve. J'ai tendance à trop jouer, moi, avec la souris, le clic droit à appuyer. Bah, il faut. Hein. Oui, non, mais tout le temps. Genre, tout le temps, tout. Ah, normalement, tu cliques droit que quand tu veux tourner, en fait. Ouais, mais je tourne tout le temps, du coup. Il fait des ronds. Mais non, mais je veux dire, je fais comme ça, là. Comme, bah là, avec Guild Wars 1. Tac, tac, tac. Ah, il est pas chassé, quoi. Ah, mais le truc, oui, c'est mais... que tu dois lâcher le clic droit pour poser une zone, par exemple. Oui. Une zone ciblée au sol. Oui, vois, oui. Faut que tu puisses la placer, donc... Non, moi, je joue à la Barbie sur Guild Wars 2. C'est vrai que c'est pas le même gameplay, quoi. Tu fais pas les mêmes... Ah non. Moi, je fais le vrai jeu. La Barbie. Le Fashion Wars 2. Exactement. Barbie Girl. Bon, bah allez. Non, et puis, j'avoue, j'aime pas trop dernièrement. Il y a Sabri. De quoi? Les persos. Ouais, comment ça s'appelle? Ouais, j'avais ce... En fait, de flashy. Maintenant, dans Guild Wars 2, tous les objets qui se veulent être rares ou chers, enfin, avec une certaine valeur, si on veut, ou une difficulté pour les obtenir, ils sont bourrés d'effets de brillants de partout. Ouais. Ah, le skin, comme on dit, le skin. Ah oui, c'est Guild Wars 2, le but, c'est juste le skin. Non. Non, mais au-delà de l'amusement du... Toi, c'est... l'amusement, c'est juste broyer des citrons, mais... Il y a le stuff. Non, le stuff, en fait, tu l'as assez, le stuff, entre c'est guillemets, facile, facilement. C'est l'avantage. Ouais. C'est là où, en plus, je trouve que c'est un super jeu, parce que du coup, le stuff maximum, il est vraiment pas dur à avoir. Non. Tu vois, c'est juste les apparences. Je sais que souvent en fait. Tu joues à WoW, tu vois. WoW, je sais que j'avais joué un petit peu et ça me dégoûtait, ouais. Parce que il y avait des écarts de stuff qui étaient phénoménaux et du coup, genre, tu commences, mais jamais tu rattrapes les mecs qui jouent depuis longtemps. Ça a peut-être changé hein, depuis, hein, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque où j'y jouais, c'était ça. Et dans Guild Wars 2, genre, le stuff maximum, c'est le même depuis 2000. Allez, 13, je pense que sans prendre de risque. Les élevés, ils sont un peu plus. Un peu plus tard, je crois. C'était avant la première extension, ça c'est sûr. Les armures, je suis pas sûr. Si, tout. Non, les armures sont arrivées après. J'avais un stuff élevé complet avant la première extension. Ouais, sur WoW, tu peux. Sur un petit joueur. Non, tu gagnes du stuff assez rapidement maintenant. Et après. Mais est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un maximum? Entre le gros joueur et puis le joueur lambda, il y aura peut-être une différence de je sais pas, d'une centaine de niveaux au niveau du stuff. Je crois qu'en ce moment, le stuff, il est à 480, trucs comme ça. Et... Voilà quoi, après si tu veux du stuff après vraiment un peu une centaine de niveaux en plus, il faut que tu fasses ce qu'ils appellent du mythique quoi. Du mythique en plus, il y a des niveaux de mythique. Oui, ouais, j'avoue. Vraiment jamais quoi. Donc j'en avais fait un peu moi. Plus tu vas haut dans le mythique, plus le stuff est gros quoi. Non, alors que là tu vas découvrir le jeu tranquillement. En même pas un mois, tu vas avoir ton armure, ta première armure élevée, tu vois. Et puis en attendant, c'est pas genre t'es nul à chier, c'est tu vas avoir un stuff exo qui est genre, je crois, il y a 10% de différence entre les deux. Ouais. C'est pas non plus énorme. Ce qui va définir si tu gagnes un combat en PvP ou pas, c'est vraiment ta manière de jouer, en fait. Ouais, mais ça toujours... Et ça, c'est bien. Ça, c'était le truc de Guild Wars. En général. Guild Wars était basé sur... Bah... C'est pour ça qu'il y avait... C'était limité en... Sur le 1, on était limité niveau 20, ça servait à rien d'être plus. On avait très peu de compétences. On avait une barre de compétences qui était limitée. Il fallait que tu fasses ton build avec les 8 compétences, là, et c'était le truc. Ouais, mais du coup, le...
Le 1, c'est beaucoup plus axé stratégie, réflexion de build, tu vois. Ouais, tu vas vraiment avoir une stratégie selon ton équipe, etc. C'est stratégie build, mais c'est aussi par rapport aux joueurs. Bah, en termes de mécanique, il y a très peu de choses qui permettent d'être meilleur. Enfin, si, il y a des trucs en vrai. Surtout les switches d'armes défensives, les pas de côté, ce genre de choses-là, mais c'est quand même très limité. Dans le 2, c'est beaucoup plus actif. C'est beaucoup plus de la réaction et tout, et du coup, si t'améliores ce temps de réaction, si tu connais bien ton build, etc., la différence, elle est énorme entre un joueur qui débute et un joueur qui joue bien. Ouais. Et ça, je joue pas du tout au niveau du stuff. Vraiment la manière de jouer. Ça, c'est cool. Mais voilà, non, mais c'est ça que je voulais dire au niveau de même de Guild Wars 1, je parlais, c'est au niveau du stuff, c'est basique le stuff dans Guild Wars 1 quand même. Ça c'est sûr. Il n'y a pas d'armes plus fortes que d'autres, et c'est 15-28 blasts. Après, t'as tous les fameux 40-40. Comment ça 40-40? En gros, c'est tous les les magiciens, donc envoûteurs, nécro, élémentalistes, etc. Ouais. Souvent, qui est recommandé, c'est d'avoir une baguette qui va faire 20%. T'as 20% de chance que ça se recharge 50% plus vite et que ça s'active 50% plus vite. Ouais, ouais. Et t'as ça deux fois de suite. Enfin. Ah, le focus et puis la baguette, enfin, dans un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça le 40-40. Ouais, oh, mais il n'y a que ça. Ouais, et puis c'est pareil, en vrai, c'est pas très dur à avoir. Non, c'est sûr que le 1, c'est pas non plus le stuff qui définit qui va gagner ou pas. Mais c'est pas la même approche dans le sens où c'est plus ton build qui va définir si tu gagnes que ta manière de jouer. Après, moi WoW aussi, PVP, ça reste une histoire de stuff. Hein. Moi, je suis désolé quand même. Ah oui, c'est pour ça que j'aime pas, hein. Vraiment. Je vois pas comment en 2023 tu peux pénaliser un joueur qui a moins de temps de jouer qu'un autre. Quoi. Ouais. Après, moi j'aime le leurre de WoW, donc. Rien à dire, j'aime celui de Guild Wars, donc. Ouais, moi aussi. Bah, j'aime le leurre du Guild Wars 1, mais j'ai pas vraiment accroché le 2. Bah après, moi je l'ai vécu, donc c'est pas pareil. Ah ouais, faut que tu... t'as fait comme je sais pas, t'as fait comme Tron, tu t'es retrouvé dans le jeu. Il est con. Non mais c'est surtout durant la saison 1. Si t'étais pas là pendant qu'il y avait les events, et bah tu faisais pas en fait. Tu subissais le changement qu'il y avait eu. Non mais bah non, moi j'ai que. Est-ce que t'as les extensions? Non, moi je crois que j'ai que le premier, moi j'ai que le premier truc, le jeu que t'achetais au début là. Bah maintenant c'est gratuit, je l'avais acheté hein, quand c'est sorti. Hein. Parce que du coup t'as la deuxième extension qui est très axée sur un des dieux du humain. Du coup il y a beaucoup de références au 1, peut-être ça pourrait te plaire. Hein. Ouais. Tu retrouves des héros du 1 et tout. C'est vrai. Je pose ça comme ça, voilà. Après, c'est celle-là qui m'a fait quitter le jeu, quoi. Ah ouais? Ouais. Toi bon, c'est juste que... Hot, j'ai bien aimé. Moi, j'avais bien aimé la difficulté, les maps en hauteur et tout. Dans POF, les montures, j'avais plus de mal. Et je vais tout finir en une semaine. Ah, c'est vrai que c'était beaucoup plus rapide. Et... Mais l'histoire, moi, je sais que j'avais tellement accroché que c'était cool. Puis les maps, elles étaient... belle, et les montures elles sont vraiment ouf en vrai dans le 2. Ouais mais j'aimais pas, et puis il y avait pas de puzzle jump, et puis tous les puzzle jump ils perdaient tout l'intérêt. Mais malgré tout, c'est la dernière que j'ai pas quitté. Ils ont jamais changé. Je l'ai même pas acheté la dernière. Le stuff alors, non c'est bien ça. Non c'est pour ça, je te dis depuis 2013 le stuff maximum c'est le même. Ouais, donc moi j'ai pas mal de persos qui ont le stuff max. Et j'ai même pas besoin de regarder s'ils l'ont toujours parce que il n'y a pas de changement et ils ont pas prévu, je pense,
Non, 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 à mon avis, il n'y aura pas. Hein. Parce que maintenant, en gros, tu as le maximum, entre guillemets, c'est l'armure légendaire. L'armure légendaire, c'est la même chose qu'un stuff élevé. La différence, c'est que tu peux changer les statistiques quand tu veux. Genre, tu peux faire plein de builds avec une seule armure, quoi. Or que les élevés, il faut qu'ils fassent des petites manips pour pouvoir changer. Mais tu peux quand même changer. Ouais, ouais, ouais. Intéressant tout ça. Bon, allez, il est quelle heure là? Parce que moi, je me lève de bonne heure, moi. Faut que je finisse mon carrelage. Je vous fais des bisous. Et bah, merci, Titu, d'être venu. Merci, Digram. Hein. Pas de soucis. Et puis, bah, j'espère que vous serez là mardi. Bah, peut-être pas toi, Titu. J'arriverai peut-être tard, comme aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Ok, et ben bah ça marche. Bah toutes mes amitiés à vous deux. Ciao. Ciao, ciao. Allez, ciao. Bah, franchement, c'était une très bonne soirée. Très bonne soirée. On a été récupérer des zéros. On en a fait monter un petit peu là. Le Titu a fait le foufou là. Non, c'était bien, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. En effet, on était capturé tous les élites rôdeurs au niveau du adresse au tir. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, on était récupéré tous les élites au niveau de l'adresse au tir. Et jeudi, je pense qu'on continuera les élites, puis on reparlera de cette sortie. Ouais, c'est peur, je ne sais plus comment c'est le nom de ce qu'on doit faire. Ouais, bah d'accord. Je voulais vous dire ce qu'on ferait, mais je ne sais même plus. Écoute, on leur parlera jeudi, donc bah passer jeudi, puis un truc des vents, je sais pas quoi, c'est une série de quêtes, je crois. On va partir sur une série de quêtes là de pour je sais plus quoi. Oh, franchement là, je suis grave là. Non, je ne sais plus. Franchement, c'est parti dans la, comme dirait la. Mon orthophoniste là, c'est parti dans la mémoire à court terme là, c'est mort. Alors là, au niveau de la mémoire à long terme là, c'est même pas la peine d'y penser. Mais là, la mémoire à court terme là, elle est très très courte là. Non, mais c'est tout. On en reparlera jeudi. C'est pas grave. Mais bon. Moi, je vais remercier Nao, Digram, Titu, qui sont venus m'accompagner sur ce stream et qui sont venus m'accompagner dans cette folle aventure qui est Guild Wars, premier du nom, qui reste encore un bon, très 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 bon jeu. Franchement, j'arrêterai pas de le redire, mais quand je suis venu. Quand j'ai commencé à streamer ce jeu, j'ai été une mauvaise langue. Je disais qu'il n'y avait personne jouait à ce jeu, que je ferais tout seul, que je galérerais dans les copes, que je galérerais un peu en tout. Finalement, mais non, il y a du monde. Il y a plein de bonnes personnes, franchement. Franchement. Ah, merci à Dark aussi d'être passé sur le stream. Car Stark était là aussi en début de stream avec nous. Donc grand merci à toi aussi. Puis voilà. Écoutez les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dirai à très bientôt. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur AVC Lucky. Et grand merci pour vos follow, vos likes, vos partages, vos abos, de votre soutien. C'est un bonheur de travailler avec vous les amis. Allez, moi, je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye. Ciao.